La première, c'était hier soir, devant 15 000 fans enthousiastes, blondes platinées comme d'habitude, Madonna mène sa troupe au doigt et à l'œil dans un spectacle intitulé « Girly Show », traduisait une revue de Nana. Pascal Deschamps et Bernard Puisseseau étaient au premier rang. Je veux dire à tous les gens qui trouvent que Madonna est complètement naze, qu'ils se trompent et qu'ils viennent la voir. Elle est encore là pendant deux soirs et c'est génial. Et pourquoi ? Mais pourquoi c'est si génial que ça ? Ce show, il l'attendait avec impatience. Un an après Erotica, le disque, et Sex, l'album de photos, dans lesquels Madonna nous livrait ses fantasmes. Simple coup médiatique pour les uns, apologie de la liberté sexuelle contre la montée du puritanisme pour les autres. De l'érotisme, il y en a eu hier soir, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour ne pas décevoir les uns. Elle est provocante, elle a tout ce qu'il faut où il faut, hein, sans problème. Et ne pas effaroucher les autres. J'ai vu Madonna. Tu l'as bien vue ? Oui. Et ça t'a plu ? Oui. The Girly Show, c'est plutôt la revue dont rêvait Madonna, suite de numéros en forme d'hommage au spectacle et aux créateurs qu'elle aime. Il y a beaucoup de danse, ça avait plutôt l'air d'un théâtre d'ailleurs que d'un concert parce qu'il y avait beaucoup de tableaux. Depuis à peu près une semaine, on dit que le spectacle de Madonna est interdit partout, est un véritable scandale. Ça, c'est pas vrai, c'est tout public et c'est vraiment génial, c'est plus beau qu'elle ait fait. Et puis, il y a eu la Madonna plus politique, celle qui milite pour la tolérance avant de chanter pour ses amis morts du sida. Elle défend les causes humanitaires qui sont importantes. Bien sûr, elle a de l'argent, c'est normal, il faut qu'elle le fasse. Nous, on peut pas le faire. Mais elle est bien positionnée pour pouvoir le faire. Donc il faut qu'elle le fasse, qu'elle continue. Une Madonna fidèle à ses images, auxquelles le public européen reste fidèle, Bercy comme Wembley lui ont réservé un triomphe. Et le spectacle continue pendant deux jours.